Je viens des Outre-mer. Et plusieurs fois au Parlement européen, j'ai eu besoin du soutien d'élus pour défendre les droits des ultramarins. Ils n'étaient pas toujours très nombreux à répondre à mes sollicitations. Mais Patrick, toujours, a répondu présent. Toujours. Il a été aux côtés des Outre-mer. Et je sais que les ultramarins de l'Île-de-France, les ultramarins de la circonscription d'Aubervilliers, qui sont confrontés à un certain nombre de difficultés, sauront trouver en Patrick un ami et un soutien pour faire avancer à l'Assemblée nationale des questions concrètes telles que la mise en œuvre, par exemple, de la continuité territoriale entre la métropole et les Outre-mer. Par exemple, lorsque quelqu'un dans les Outre-mer décède, eh bien, il faut trouver des solutions justes pour que les familles puissent aller sur place pour l'enterrement. Ce n'est pas le cas. Il faut trouver un certain nombre de solutions aussi pour que les ultramarins et plus largement toutes les minorités ne soient pas discriminées. Patrick est à la pointe de ces combats et il sera à l'Assemblée nationale.